Bonjour. dans la vie, moi, plein de petits problèmes. Ah, bien, vous êtes russe? Bonjour. Vous êtes russe, monsieur? Hein? Vous êtes un terroriste Kurva. ou un russe? Kurva. Ah, Non, c'est excusez-moi, pas le luxe. j'ai des petites questions. C'est Gabriel. Je vais bientôt partir en vacances C'est en Gabriel. Russie. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Merci. Donc. Kurva. Kurva. Mais vous êtes français? Non, Shutup nahoy. Ouais, je suis français, t'inquiète pas. Je je... connais juste quelques mots en russe et tout, Ah, c'est t'es drôle. pas mal, t'es pas mal. Mais en fait, j'aimerais quelques petites questions en russe parce que, en fait, je vais bientôt partir en Russie bientôt et je voulais savoir comment ça se passe un peu Ouais. là-bas. Ah non, moi je connais que les insultes en fait. Vladimir Poutine, je l'adore lui ce mec. Vladimir Poutine. Il est gentil, Poutine, ouais. Imaginez Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France et Poutine en Russie. Oh Et là 20 plus là. tard, c'est la guerre nucléaire, ma gueule. On crève tous, hein. Violent. Moi je vous dis adieu. Trump, Donald il veut pas de Trump, c'est un Mexicains, malaise dans sa Marine, tête entre deux. elle veut pas d'Arabes, et Poutine, et ben Poutine. Enfin, en fait, Marine, elle veut surtout pas les Syriens et tout qui viennent sur le... qui viennent en France Et les fermer les immigrés, ouais, frontières. les immigrés. Ouais, Ouais, les c'est ça. immigrés. Bon, après, je pense que les Arabes qui sont déjà sur la terre française, là, qui viennent d'Algérie ou de tout comme ça, je pense pas qu'elle va les forcer à les virer, quoi, parce que ce serait vraiment, vraiment bâtard. Bah, il y aurait déjà une grosse guerre. Vous aimez le Puis couscous? même, je Ouais, pense il y pas aura qu'elle toute une sera élue, quartier. quoi. Hein, vous aimez le couscous? Je pense pas qu'elle sera élue. Oui, c'est bon, Ah, le faudra le couscous. couscous. Couscous, la chorba, j'aime bien la chorba aussi. Trop d'art. Mais dis donc. Vous Bonjour. parlez quand même pas T'es le une DD, ma gueule. Excusez-moi, madame. Moi aussi. Madame. Moi aussi. Excusez-moi. Oui. Vous avez une Ah, c'est voix tard, c'est une un peu DD. d'homme, quand même. Bon, vous voulez que je tire un petit peu, là? Pour histoire qu'on s'amuse. Parce qu'on s'ennuie un peu, là. Quand même. Non, je vous déconseillerai. Je vous déconseillerai vivement. Mais vous faites comme vous voulez, vous en subirez les conséquences, c'est bien ça le problème. À vos ordres, Oh mon dieu, Hagrid. mais ça ne va pas. Hein. On attend vos ordres pour tirer. Non, 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 je ne commandite rien. Je vous déconseille simplement. Enfin, c'est dommage, Hagrid, vous auriez pu diriger une véritable armée. Moi et Pablo, on vous suit. Il est vrai que l'idée m'effleure souvent, mais non, ce serait trop désastreux. Ah, vous connaissez pas le général Yen Yen, lui, il l'a fait. Qui est donc ce personnage? Vous connaissez pas donc le général Yen Yen, c'est un grand samouraï. Il dirige une véritable armée sur Poudlard. Oh, intéressant. Oui, il a fait Et cette également armée est-elle des vidéos. dangereuse? Oui, effectivement, son armée, bah, elle le suit jusqu'à la mort. Ah, Pablo est tombé. Non, Pablo! Pablo! Pablo Escobar est mort, monsieur. Bon, bah, tant pis. Bon, je vais descendre. Je commence à avoir froid, j'ai oublié mon écharpe. Ah, je vous suis, monsieur. Bonjour! Bonjour, Là, il y a une piscine. rejoins On les parle plus tard dans les poussous, salles. La rejoins cantine, les ça me salit un peu. poussous. Non, je suis pas trop Vous poussouf, avez moi. faim? Non, merci, c'est gentil. Excusez-moi, j'aurais besoin de quelques conseils. Voilà pour ceux qui ont faim. Putain, vous donnez beaucoup à manger. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez les spécialités de nourriture en Russie? En Russie? Ouais. La vodka MDR, le gros cliché. Ouais, Ouais, enfin. voilà, la Poliakov. Ouais, enfin, quelque chose En fait, de comestible. dans tous leurs plats, ils mettent de la Poliakov, voilà. Dans tous les plats, il y a de la vodka, hein? Exact, D'accord, parce voilà. qu'en fait, demain, je pars De en la Poliakov. Russie. Je prends l'avion et tout, mais je sais pas trop ce qu'on mange là-bas, et comme je suis assez difficile, et j'y vais avec ma petite copine. Et, enfin, tu vois, je veux pas trop faire le gars trop difficile, quoi. D'accord. Bah. Non, on est déjà allé, c'est bien, C'est c'est bien, difficile à c'est trouver, bon. mais il y aura de bons petits restes. Genre romantique. Des restos romantiques? Ouais, vite. Ouais, plutôt. Mais Petit. souvent, le plus souvent, tu Ah. trouves des bars, donc du coup, tu dois en faire gaffe. Ouais, des gros bars à pute, donc faut pas trop emmener sa copine là-bas. Ah, effectivement, effectivement. Et Après, il vous avez faut faire déjà été gaffe le là-bas? soir, faut pas traîner dans des. Ouais, mais il faut faire gaffe parce que nous, on a entendu dire qu'il y avait des trafics d'organes là-bas, donc du coup, il faut faire gaffe. Des trafics de quoi? D'organes. D'organes, hein? Ça c'est bizarre, votre truc. Faut faire attention.
C'est la vérité. La nuit, surtout, la nuit Russie, faut pas aller dans les relations, faut rester dans la lumière. Bon, vu que vous m'avez aidé, je serai votre garde du corps, hein, si vous désirez. Ah, merci beaucoup. Tu veux qu'on t'apprend le russe? Bah ouais, ça serait dingue. T'apprend le russe? Bah, juste dire bonjour, un truc comme ça, tu vois, les bases. Soukabliet, ça veut dire connard. Soukabliet, ça veut dire connard. Ouais, je sais que ça. Je crois pas que ça va me servir, tu vois. Tu peux pas faire. Bon, écoutez, on lui apprend le russe, donc le russe. Du coup, là, vous arrêtez. Je sais, je connais. Tu peux pas faire. Ouais, moi, voilà. J'ai appris que ça. Donc, du coup, ça fait. C'est 50 euros le cours, donc du coup, là, vous allez partir. Je connais, je connais. Plus loin, plus loin. Plus loin. Oui, donc tu veux une danse? Non, de la thune. Non, non, t'inquiète, j'ai pas besoin de la thune. Tu veux de la thune? Allez, pour que j'achète de la bouffe, tiens. Tiens, de l'écu. Bon, c'est 50 euros le cours, hein. Bah, donc si tu... J'ai donné sans écu. Ah, d'accord, l'équivalence des... Non, c'est pas moi les bananes. Tiens, prends une banane en récompense. Non, j'ai pas besoin, c'est gentil. Je vous ai donné l'argent, elle est par terre, les gars. Merci. C'est ça sera ton goûter. Merci pour mon goûter. Il y a des bananes en Russie, au moins, j'espère, parce que c'est bon, ça. Oh, j'ai trouvé 100 dollars, merci beaucoup. Ouais, de rien, ça. Je vais pouvoir m'acheter. Ah, suspect. Du coup, vous savez comment on dit... encore à manger. Vous savez comment on dit bonjour en russe, du coup? Non. Je sais pas. Ah, vous savez pas, mais vous avez pas beaucoup m'aider. Hein, parce ma, que... copine Body Michel va chercher sur internet. Ah, c'est gentil. Parce que là, en plus, j'ai pas été sur internet pour y chercher. Et puis, y a pas de traduction. Ah ouais. C'est un peu de la merde. Puis, je comprends rien. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué le russe, effectivement. Vous allez pas partir en vacances, vous? Ah, pour dire bonjour en russe, c'est Kolobok. Kolobok? Kolobok. Ah d'accord, Kolobok. Ok, merci. Kolobok. Et comment on dit au revoir? Il va rechercher, du coup. Ouais, il est gentil, bah ça m'aide, parce que moi, ma copine, elle aime bien aller en Russie, donc si on y retourne, au cas où, tu vois. Kolobok. En fait, Kolobok, ça veut dire bonjour et au revoir, ça veut dire salutation. Salut. D'accord, salutation, Kolobok. Donc Kolobok, Kolobok et Kolobok. Ok, ça marche. Et comment on dit toilette? Parce que au cas où, si je veux aller faire pipi. Kolobok. Non, pas Kolobok encore. Non, là, je me fous ta gueule. Là, je me fous ta gueule. Attends, je vais chercher dans mon dictionnaire. Ok, ça marche. Bonjour, Serdeg. Bonjour. Nous t'invitons dans notre dortoir. Viens avec nous. Non, excusez-nous, je dois apprendre le russe. On t'apprend le russe. Je dois apprendre le russe. Non, on lui apprend le russe, donc maintenant c'est 50 euros le cours, donc vous venez. Les poussous, ouais, balance de la tue. Les poussous connaissent le russe. Les poussous connaissent. Non, mais voilà. Viens avec nous. Non, c'est du coup, nous, on lui apprend le russe. On gagne de l'argent pour donner à manger. Parce que c'est nous qui vous donnons à manger tous les midis. Rejoignez tous l'armée des poufsouffles et vous connaîtrez tous la gloire. Oh, de la bouffe! Non, nous on est des serveurs, on n'a pas des poufsouffles et lui c'est un Serdeg, donc du coup vous partez. Ouais, partez s'il vous plaît. Mais tu es serveuse, mais tu peux nous rejoindre. Non, mais tu... Bon. Je vais apprendre le mais russe. Tu peux venir. On réfléchira. Ouais, on arrive après au pire, après le cours. D'accord. Attendez-nous dans votre maison. On réfléchira. D'accord. Merci. Vous aurez toujours une place à poufsouffles. Merci beaucoup. Ok, toujours une place. On vous remercie. Et donc, ah, merci beaucoup. Ils ont créé au revoir. Au revoir. Même si je les attaque, on sera pas assez nombreux. Et vous avez déjà pris l'avion? Parce que j'ai jamais pris l'avion, perso. Oui. Ah, ça fait peur. Ouais, mais tu verras. En fait, t'as mal au tympan, mais dès que tu montes et dès que tu descends, mais sinon, c'est tranquille. D'accord, ça marche. Enfin, je veux juste te dire que t'as environ une chance sur mille que l'avion il s'écrase si jamais t'as peur, mais bon. Ah, c'est rassurant. Ouais. Et vous avez jamais... Bah si, vous avez été en Russie, c'est cool ça. Mais c'est bien la Russie, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais par contre, il faudra prendre des doudounes, hein, parce qu'il fait froid. Ouais, je me doute. Ok, ça marche. Donc c'est pour ça que là-bas, ils prennent beaucoup de vodka pour se réchauffer. Parce que vu que l'alcool, ça chauffe un peu dans les poumons et dans l'estomac, bah ça aide. D'accord. Après, moi, tu vois, je bois pas d'alcool. Donc ça va pas vraiment me chauffer, tu vois. Ah. Bah, tu bois du lait chocolaté, ça passe. Bonjour. Vous êtes là, maître. Bonjour, Olivier. Bienvenue à toi. Merci, merci. Bienvenue, Olivier. Saluez-le. Saluez-le. Bienvenue dans la confrérie. Mais attends.
Ah le bâtard. Tout le monde avec le chauve. Mort aux oeufs. On va dans la cour. Mon dieu, c'est génial. On a une véritable armée. On fait un peu les poussouf. Imposons la puissance. Revenez du côté poussouf. À la barre. Révolution. Mort en mangement. Révolution. Abattez-le! A vos ordres, mon maître! Non! Le préfet! Non, Olivier! Olivier, non! Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Et moi, faut que je te dise un truc. Ah, vas-y, pas de problème. Moi aussi, j'ai des petites questions à te poser, parce qu'en fait, demain, je pars en Russie. Est-ce que tu aurais des petites astuces? Je vais te dire. Viens, viens. Tu sais que j'aime pas trop aller dehors parce que je sais que tu vas me kidnapper. Non, je déconne, allez, vas-y, prends-moi. Je sais que t'attends que ça, petit cerf chenapant. Oh, un mini dragon. Alors, tu vois, je joue à Clash Royale. Et en fait, dans Clash Royale, il y a des mini dragons. Alors, je l'ai, mais il est que niveau 2. Non, mais t'inquiète, j'y joue aussi. Est-ce que t'as Par une contre, astuce le HRP vocal, c'est pas top. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis Olivier le Cantonig. Et puis on est que deux hein, en plus. Avec le mini dragon. Trois avec le dragon. C'est vrai. Alors du coup demain je pars en Russie avec ma copine. Par contre je connais pas grand chose sur la Russie. Est-ce que t'aurais des petites informations? Poutine. Poutine, ouais, mais ça va pas beaucoup m'aider. Hein. Parce que ma copine elle est vraiment à cheval sur les Russes. Vodka peut-être. Ça pourrait t'aider. Ouais, enfin, mais tu sais pas genre dire bonjour en russe hein? Peut-être pas. Non, je le savais, je l'ai su un moment, mais je sais plus. Ah, je vais demander à. Regarde. Bonjour Voldemort, comment allez-vous? Regarde tout ce qu'on a. Bon, merci. Bon, je m'en vais. Alors, quelle année es-tu? Excusez-moi. Si tu veux, j'ai un serveur TeamSpeak. Excusez-moi. C'est en 5ème ou en 4ème? Le gars qui a pas le nez là, s'il te plaît. Là, je suis bientôt en 5ème. Genre à 89 et quelques D'accord. Jours. Que peux-tu nous dire sur Poudlard? Non, je peux Bah pas. Si tu veux, par exemple, je peux t'indiquer où est le bureau de Dumbledore, que t'as niqué, bah peut-être t'ailles le tuer. Oh t'es un sale lâche toi. Ouh, sale lâche. Aussi, ce que tu peux faire, tu peux aller tuer... Claire, ils sont un peu useless. C'est que tu es d'une aucune utilité. Si tu veux, il y a des modérateurs sur les toits aussi, tu peux aller les tuer. Mais après, fais gaffe quand même, c'est chaud. Je peux te tutoyer, Voldemort. Alors, je comprends. Voilà, ça c'est fait. Bon bah, bonne continuation. Si vous voulez, j'ai un serveur TeamSpeak, je vais vous le mettre dans le channel, vous pouvez venir. Ah, vous êtes là. Excusez-moi, je voulais vous parler. Ça vous dérange pas? Donc, bon, vous alors, avez des questions, vous voulez dire Donc, que peux tu es en quelle année? En quelle année es-tu? Moi, troisième année. Je sers à rien. Troisième? Ouais. Tu sers à rien. Tu veux des parties? Très bien, attends, tu vas rester là un petit moment, juste deux secondes. Okay. Mais attendez, j'ai des petites questions. Non, revenez. Vous avez pas de nez? Eh hey, je sais que tu m'entends là-bas. Eh hey, t'es griffon d'or. Ah et hey, toi là-bas là. Mange mort. Oh Wouhou. Arrête, je fais trop bien le bruit du chat, reviens. Ah bon voilà. Il faut que je vous parle monsieur. Vous pouvez d'accord, m'écouter s'il vous plaît. Non mais arrêtez de. Alors, je voulais vous poser une question. Baguette, là, en fait, en gros, je vais aller en Russie demain. Et je voulais savoir si vous connaissez des trucs sur les Russes. Ah oui, c'est vrai, je suis mort.